Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est pour le tirage général pour ce mois de février 2023. Il ne me reste plus qu'un signe. Donc c'est peut-être le vôtre, c'est peut-être votre ascendant, c'est peut-être celui de votre ex ou de votre mari, de votre femme à voir. Ou alors c'est tout simplement comme des abonnés, vous adorez m'écouter. Écoutez mes conneries, oui. Alors, les guidances de Sandra, pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour, s'il vous plaît. Oui, l'interprétation des cartes, il faut avoir de l'humour. Il faut être ouvert d'esprit dans le sens positif comme dans le sens négatif. Eh oui, vous pouvez apprendre de sacrées choses, moi je vous le dis. Bon, allez, c'est parti, on y va. Je vais vous montrer... Ouais, je vais vous montrer le programme. Ah oui, je vais vous montrer avec le doigt, je vais vous montrer les cartes. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous ai dit, je vais vous montrer le programme. Donc, le voici. Hein. On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes messages des heures miroirs de Fanny Ferry, qui a également sa chaîne YouTube. Ensuite, le 77... que vous devez connaître maintenant à la perfection, hein, si vous me suivez. Si vous souhaitez cet oracle, je vais vous montrer qu'il n'y a pas de souci, même si vous êtes novice, vous pouvez absolument utiliser ce jeu, parce qu'il y a une notice que je vais utiliser également. Ouais, mémé, de temps en temps, elle aime bien faire la feignasse. Mais c'est surtout pour vous montrer que, voilà, vous avez des cartes, vous lisez la notice. Bon, après, il faut un peu interpréter, hein, ça je vous l'accorde. Ensuite, l'oracle intuitif, une, deux ou trois questions au choix, hein, même sentimentale si vous le souhaitez. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. Oui, alors si vous avez l'intention de poser la question, ouais, je vais arrêter les traitements, les médicaments, qu'en penses-tu? Non, hein, allez voir votre spécialiste, votre professionnel, votre généraliste, ce que vous voulez, mais on ne pose pas ce style de question à l'oracle. Idem, si vous avez envie de vous suicider, ouais, je sais, Sandra, elle est vachement crue, mais en même temps, on m'a fait le coup, donc autant dire les choses clairement, on ne joue pas à la roulette russe, s'il vous plaît. Allez voir un psy, moi, à mon avis, ou votre famille, tout simplement, hein, si vous avez un problème de tristesse, de gros chagrin, de quelque chose qui ne va pas, demandez à votre famille, hein, en principe, la famille, elle est là pour vous aider. Bon, ou les amis, ouais, il y a quelqu'un qui me dit, ou les amis, ouais, c'est vrai que des fois, on peut plus compter sur les amis que la famille, je vous l'accorde. Allez, c'est parti! Ce dernier signe, eh ben c'est pour vous les cancers. Bonjour et bienvenue à vous. Alors c'est pareil, hein, on m'a fait le coup une fois. Bon, c'était qu'une fois. Hein. Je parle bien du signe astrologique, je ne parle pas d'autre chose. Hein, nous sommes d'accord. C'est pas une chaîne médicale. Hein. Allez, c'est parti. Bon, les cancers, je me concentre, je respire, ouvrez vos chakras, que je puisse rentrer à l'intérieur de vous. Oui, juste à l'intérieur, ça suffira. Allez, c'est parti! Pour les cancers, pour ce mois de février, ah ben, il y a quelques cartes hein, qui est tombée. Donc celle-ci, la créativité... La franchise et vide ton esprit. Oh, les cancers, avez-vous quelque chose à dire? Pour moi, le premier truc, là, c'est la créativité. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous travaille et que vous ne savez pas du tout comment le dire, la créativité? Est-ce que vous cherchez... Moi, des fois, dites les choses clairement. Chérie, tu me fais chier. Voilà, comme ça, les choses sont claires. Ouais, il y a de la créativité. Les choses sont dites. Ou alors, dites franchement, voilà, je souhaiterais avoir ça comme projet professionnel. Eh ben, si vous me suivez pas, ben, c'est pas grave. Moi, je le ferai quand même. Oui. La franchise et vide ton esprit.
Pour moi, c'est ça. Bon, après, on va voir forcément. Hein, je pense pas que l'oracle va dire autre chose. Mais bon, c'est jamais. Alors, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Voilà. Reste sur la voie, ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc, il y a bien quelque chose que vous souhaitez dire, souhaitez faire. Et donc, maintenant, nous avons la franchise. La franchise. Est-ce que la franchise va payer? Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et mais des fois, il faut dire les choses, hein, surtout s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Après, c'est sûr, hein, si vous dites ouvertement à votre mari ou à votre femme, dégage, je ne peux plus, prends ta valise. C'est sûr qu'après, il y a un revers de médaille, hein, mais en même temps, ou si vous dites à votre chef, je ne peux plus, vous êtes un connard ou une connasse, ça c'est sûr qu'il y a un revers de la médaille, mais après, vis de ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention les mots et les actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, on vous dit quand même de faire attention quand même à ce que vous dites. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un rendez-vous, il y a quelque chose, est-ce que, je ne sais pas. On vous met quand même en garde de faire attention. Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez quelque chose au fond de votre cœur et que vous avez envie de le dire, eh ben, ça ne sert à rien de se rendre malade. À un moment donné, il faut que ça sorte. Cancer. Allez, c'est parti, cancer. Pour ce mois de février 2023. Qu'as-tu à dire? Ah bah voilà, une invitation. Ouais, faites attention, hein. Il y a quand même une mise en garde au départ. Cette invitation, c'est soit une invitation tout simplement. Après, ça peut très bien être une invitation effectivement à boire un coup, une restauration. Donc, la carte, elle a toujours un descriptif premier, mais après, il faut toujours regarder le vocabulaire hein, qui va avec. D'ailleurs, je regarderai tout à l'heure au niveau de la notice. Allez les cancers. Ici, nous avons un homme. C'est pas vous, c'est une tierce personne, mais ça peut très bien être une femme. Ouh. Une invitation. Est-ce que vous allez avoir une invitation de la part d'un homme pour un rendez-vous tête à tête? Alors là, j'ai aucune info. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est financier? En tout cas, les invitations sont lancées. Hein. Bah, vous me direz. Ou est-ce que vous allez être invité à cause d'un homme? Ouais, ça peut être ça aussi. Ah, je vous ai dit que je regarderai. La carte numéro 39. 39, on parle de réception, on parle de cérémonie, d'invitation ou de restauration. Bon, la carte numéro 46, il y a un homme. Donc, 46, on parle d'un homme, on parle d'un ami, celui qui nous intéresse. Oui, alors intéressé, pas spécialement sexuel, hein.
Eh oui, si vous attendez un rendez-vous, par exemple, de la part de votre avocat, oui, il vous intéresse parce que vous l'avez payé pour une affaire, mais c'est pas sexuel, hein, nous sommes d'accord. En tout cas, ici, on parle d'un rendez-vous tête à tête. Allez, cette invitation, c'est quoi cet autre message pour les cancers? On parle de l'automne, ou alors c'est peut-être pour récolter enfin le fruit de vos efforts, de vos travail, de vos démarches. Ici, nous avons un personnage qui tourne le dos. Donc, il y a tout simplement des cancers qui souhaiteraient tourner la page. Pour d'autres personnes, c'est tourner le dos à toutes les saloperies qu'on a bien pu vous faire derrière votre dos. Ouais. Le jour où on vous fera les saloperies devant, ce personnage sera retourné. Cette carte n'existera plus. Mais en général, quand on vous fait des coups foireux, on vous invite pas. Ah, au fait, Sandra, on compte bien te baiser, là, tu sais, le prochain entretien au travail. Ouais, je préfère te le dire tout de suite. Alors, les points où on va te saquer direct... Ah, non, ça n'existe pas, ça, bien évidemment. Non, c'est toujours derrière le dos. Et ouais, et cette bouche, elle est fermée. Allez, à la suite, les cancers. Ah. Ici, on parle de choix. Il y a plusieurs chemins. Ici, on parle de prendre du recul. Donc, c'est un vieux dossier. Hein. C'est un vieux dossier qui date peut-être depuis un certain temps. Vous avez le temps de réfléchir, hein. Ouais, vous avez le temps de vous transformer en statue de pierre, peut-être même de prendre du yoga ou faire de la sophro. Qui c'est qui me parle? Ouais, moi j'ai dû prendre des calmants. Ici, on parle de solutions. De solutions peut-être pour un enfant, solutions peut-être pour un ado. Après, pareil, dans d'autres oracles, l'enfant c'est la nouveauté, c'est la naïveté. Récapitulatif. Ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ont tourné la page, tourné le dos en automne. Voilà. Alors, c'est l'automne dernier, l'automne d'avant, l'automne... Il y a une histoire d'automne. Après, la carte numéro 75, c'est également, comme j'ai dit tout à l'heure, récolter. Voilà, on récolte une rentrée. Cette invitation, vous l'avez ici. Vous l'avez encore ici. Est-ce que vous attendez une invitation pour une rentrée d'information, une rentrée d'argent? Ici, il y a une histoire d'enfant. Est-ce que ça y est, rentrée de documents, la garde, est-ce qu'elle va être enfin définie? La pension alimentaire voilà, vous avez entrepris des démarches et on vous dit que ça y est, il va y avoir une rentrée de quelque chose sur ce que vous avez déjà tourné le dos. Donc c'est une histoire du passé ici. Pour des personnes, c'est vous avez tourné le dos peut-être à un homme ici. Ou alors vous avez tourné le dos à toutes les saloperies que cet homme a pu vous faire derrière votre dos. La carte numéro 47. Ah, qu'est-ce qu'il vous a fait cet homme? Alors, tournez le dos, on parle d'abandon, on parle d'adultère, de mensonge, de tromperie. Alors tromperie, ça peut être dans les deux sens. Hein. Tromperie sexuellement ou alors on vous a trompé, bon ça reste du mensonge. De la fourberie. Ici, vous attendez peut-être qu'on vous dise quelque chose, mais cette bouche, elle a dû rester silencieuse depuis ben, un bon moment. Hein. En tout cas, si ça remonte depuis l'automne, effectivement, ça fait depuis un moment que cette bouche, elle reste silencieuse.
Vous attendez justement ce rendez-vous pour pouvoir avoir le choix et faire enfin autre chose de votre vie. Vous avez eu le temps de prendre du recul, vous avez eu le temps de réfléchir. Ici, on vous parle d'une solution, donc effectivement, vous avez dû demander de l'aide, soit très certainement à quelqu'un, en tout cas si c'est sentimental, si c'est professionnel ou si c'est autre. Ici, on parle d'une solution, d'une aide. Hop, la carte numéro 67. La clé, on parle d'appui, de soutien, d'aide. Pour un enfant, ici, ça peut être un enfant, 44. Ça peut être un ado ou alors tout simplement, vous avez besoin d'aide sur quelque chose dont vous vous sentez peut-être immature. Dans le sens où vous avez peut-être ouvert un commerce, ouais, vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez dû arrêter parce que voilà, il y a des choses qui ont été faites et maintenant vous avez besoin d'aide parce que vous vous sentez peut-être immature dans certaines démarches. Et ouais, on n'est jamais mature d'ailleurs, tout ce qui concerne l'administration, je peux vous dire que même vieux, on est complètement largué, hein. Alors, on parle d'enfants, on parle en rapport avec la jeunesse, l'adolescence, l'innocence. Mais bon, hein, vous le savez, que comme dans les heures miroirs d'ailleurs, voilà, c'est la nouveauté également. Ah oui, la jeunesse, c'est quelque chose de nouveau. La vieillesse, c'est quelque chose de vieux. Et il faut regarder tout le vocabulaire. Allez, autre message. Où nous avons le H. Vous savez que le H, c'est tout ce qui rapporte à un H. Ouais. Ça peut être le nom d'une rue, hein, voilà. Ça peut être l'hôpital, ça peut être l'héritage, les hostilités, ça peut être un homme. J'ai toujours pas fait le tour du dictionnaire, mais voilà, ça peut très bien être le nom d'une personne. Ouais, ça peut être Henri, ça peut être le nom de famille. C'est tout ce qui commence par un H. Habitation. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit habitation. Que vous attendez un rendez-vous pour une habitation. Ah oui, ici, là. Allez, les cancers. Une hospitalisation également. Ah, ça s'est retourné. Ici, c'est savoir et connaissance. Donc, soit vous attendez tout simplement une information, ou soit la connaissance, c'est pour remplir votre cerveau. C'est une formation, c'est une mutation. Ici, vous avez la porte. Elle est à l'envers. Vous avez la porte, ça tombe bien. En plus, ici, vous avez la clé. Donc, vous avez trouvé le père Foura. C'est génial. Passe-partout, tout ce que vous voulez. Ah ouais, père Foura, bien. Le père Foura avec la sagesse et passe-partout, donc cette porte effectivement elle va bien s'ouvrir, donc ça veut dire que vous effectivement vous allez savoir ou connaître, enfin, dans tous les sens du terme. Si vous avez demandé une formation, une mutation, on va vous dire oui ou non, donc vous allez savoir. Oui, c'est vrai. Un peu con Sandra, mais... Ici, nous avons la carte de l'hiver. Ça tombe bien, nous y sommes. Avec tout le vocabulaire qui va avec. L'hiver, c'est quelque chose qui est infertile, c'est froid, c'est glacial, c'est manque de communication. Et ici, on parle d'une main tendue. Donc c'est une vraie main, c'est une aide. Ici, on parle de H. Et ouais, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce H, c'est tout et n'importe quoi. Savoir et connaissance, en tout cas, cette porte, elle va s'ouvrir. Peut-être que ce H est là pour vous aider. Pourquoi pas?
En tout cas, ici nous avons l'aide cet hiver, donc effectivement il y a quelque chose là, vous allez savoir connaître, il y a des ouvertures de porte avec une aide. Rendez-vous tête à tête, ça peut être pro, ça peut être financier, ça peut être sentimental, en tout cas il y a des ouvertures de porte. Dans le sens vertical, ici on parle d'un rendez-vous, simplement un rendez-vous, ou alors un rendez-vous comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, nous avons invitation à boire un coup, restauration. Peut-être que là, ici, tout simplement, on vous dit que ça y est, vous allez avoir cette invitation de cet homme que vous attendez depuis, voilà, récolter enfin le fruit de votre travail. Si vous avez l'intention, ou si vous avez dragué, essayé de draguer un homme, par exemple, ou est-ce qu'un homme a essayé de draguer, en tout cas, ça a porté ses fruits. Et oui, on peut le dire ici. Après, on peut parler d'une invitation pour une opération, une hospitalisation, une invitation pour un déménagement, on parle d'habitation. Voilà, c'est tout ce qui commence par un H. D'ailleurs, c'est quoi, si je dois vous poser cette question, ça serait quoi cette invitation avec ce H, récolter le fruit de votre travail, ou alors de l'automne, ça serait quoi? Ici, on parle de l'homme, qui peut très bien être une femme. On veut tourner le dos, en tout cas, à cet homme. On veut tourner le dos à toutes les saloperies que cette personne a bien pu nous faire. Ici, cette bouche, elle est restée silencieuse. Alors, on a bien tourné le dos, mais peut-être que vous avez entrepris des démarches. En tout cas, c'est sûr, puisqu'ici, on veut savoir ou connaître. Cette porte, elle va s'ouvrir. Donc, ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être sentimental, financier, quel que soit le domaine. En tout cas, on vous dit, oui, vous allez pouvoir tourner le dos. Ça a été long, mais ça va être bon. Ici, on vous reparle de nouveau du rendez-vous tête à tête pour avoir des choix, prendre du recul avec la sagesse. Vous êtes transformé en statue de pierre. Peut-être que vous avez pris des calmants pour... tellement que vous avez dû attendre. En tout cas, la solution va être enfin trouvée pour un enfant, pour un adolescent, ou alors pour entreprendre quelque chose de nouveau. Cet hiver, effectivement, vous allez enfin avoir de l'aide. Ou alors, on vous parle de froideur. Il y a une froideur ici, à quelque part. Il y a eu quelque chose de fini, de figé. Ici, ça peut très bien être un divorce, hein. Le couple a été figé, il n'y avait plus rien, voilà, c'était complètement stérile. Ici, on vous parle d'enfants pour la pension alimentaire, déterminer la garde. Et ici, l'aide, ça peut très bien être un avocat. Hein. Donc voilà les cancers. Allez, c'est parti, une, deux ou trois questions au choix. C'est possible, quoi qu'il en soit, une nouvelle voie s'ouvrira. Parfois, les choses sont tout simplement bien comme elles le sont. Et le destin vous le fera comprendre le moment voulu. La vie est malheureusement faite de compromis. Et il faudra en trouver un à ce sujet. Les cancers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.